Salut à tous, c'est TheLuis du 10 et aujourd'hui je vous présente une vidéo découverte, les Sims 3 70 80 90 kit. Donc on se retrouve tout de suite après le chargement et oui, je vais vous présenter les objets, les vêtements. Bon, aussi en voilà et aujourd'hui je vais vous présenter les coiffures et les vêtements. Et oui, des Sims années 70, 80, 90, hein, les coiffures. Déjà, on commence par la première coiffure. Alors, la première coiffure, je vous montre un petit peu comment qu'elle est. Elle est comme ça, hein, c'est une coiffure simple, qui est bien, bien sûr, vous voyez, je vous montre. La deuxième coiffure, il n'y en a pas beaucoup pour les garçons, donc il y a celle-ci pour les garçons aussi comme coiffure. Les nouvelles coiffures des Sims, hein, bien sûr, hein, nouvelle coiffure du kit. Années 70, 80, 90, donc je suis content de vous retrouver dans les Sims. Donc voilà, il y a ces deux coiffures là pour les garçons. Après, on va passer aux filles. Donc, alors, on va regarder aussi s'il y a des nouvelles moustaches, une nouvelle barbe. Alors, je vous montre ça hein, aujourd'hui, hein, c'est une vidéo découverte. Alors voilà, on a une moustache. Dans ce nouveau kit, hein, vous voyez, hein, pas mal la moustache, hein, c'est pas mal, hein, donc j'aime bien, moi c'est stylé. Je vous montre un peu comment il y a des nouveaux trucs, hein, bien sûr. Donc on va regarder un peu dans les poils s'il y a des nouveaux trucs. Hein. On attend le chargement, bien sûr, hein, comme toujours, un petit peu. Non, il n'y a pas de nouveaux poils pour le corps, donc c'est bon. Et maintenant, on va passer aux vêtements des garçons. Alors toujours pour les garçons, hein, je vous montre, il n'y a pas beaucoup de vêtements. On va commencer par les tenues. On va commencer par les tenues. Donc on se retrouve après le chargement parce qu'il y a une petite ellipse parce que c'est long à charger. A tout de suite. Donc on se retrouve avec, je vais maintenant vous présenter pour l'instant les vêtements. Donc on a ce petit style de chemisette. C'est pour les hippies bien sûr, hein. C'est style années 70. Donc je vous montre un petit peu comment c'est, vous voyez, hein, c'est pas mal. Mon Sims il est bien habillé, il y a plusieurs couleurs, hein, c'est sûr. Ça je vais pas vous répéter 50 fois, vous voyez, il y en a pas mal. Après on passe au deuxième habit du haut. On a celui-ci hein, qui est pas mal aussi. C'est pareil, ça va être sûrement pour les hippies ou les rockers, je sais pas trop juste. Hein, donc je vous montre un petit peu comment ils sont les vêtements. On va se rapprocher et je vous montre un petit peu comment... C'est bien, c'est stylé hein, bien sûr. Pour les garçons on a que ça pour l'instant et c'est pareil, il y a d'autres couleurs bien sûr, je vous montre un petit peu. Après on va passer au pantalon, donc au pantalon c'est à dire les bas. Alors on a 6 nouveaux bas avec alors on attend le chargement, c'est un petit peu long à charger donc on va attendre un petit peu bien sûr comme d'habitude. Alors on a des vêtements, hein, des beaux vêtements, on n'a pas beaucoup de choses, mais dans ce kit, il a baissé les prix, c'est très bien, parce que 20 euros, j'aurais peut-être pas acheté. C'est 10 euros maintenant, donc c'est pas mal, ils ont changé les prix, c'est bien. Ils ont baissé pour un kit, hein, bien sûr, c'est moins cher. Donc vous voyez, je vous montre un petit peu le pantalon de Sims. C'est du jean ou du cuir, je sais pas, cuir, ouais, ça fait plus rock. Alors si on met les deux ensembles la même couleur, ça pète, ça fait rock. Oui, c'est rock. Je vous montre un petit peu ça, vous voyez, hein, c'est pas mal. Ce petit vêtement, hein, c'est pareil. Et il y a si, cela. Il n'y a pas beaucoup de vêtements pour les garçons, donc je vous ai montré un petit peu ce qu'il y a. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu ce qu'il y a. Donc maintenant, on va passer aux vêtements des filles. Je fais une petite ellipse et on se retrouve tout de suite après. Alors, on va commencer les coiffures pour les filles. Donc, pour les filles, on a style de coiffure, hein, pareil que pour les garçons. Cette coiffure, bien sûr, je vous montre un petit peu les coiffures des filles. On n'en a que deux, de toute manière, des coiffures. Hein, c'est pas beaucoup, mais c'est bien quand même parce que ça change un peu les styles des Sims. On est toujours dans les Sims. Voilà, je vous ai montré les deux coiffures pour les filles. Ça me paraît même que pour les garçons, donc... C'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, on va passer aux vêtements pour les filles. On fait une ellipse, on se retrouve tout de suite après. Voilà, on est de retour. Voici les hauts des filles. Hein. Donc, je vous montre un petit peu. C'est comme ça, en fait, le haut des filles. On commence par le haut. Donc, ils sont pas mal. Hein. Vous voyez, je vous montre un petit peu qu'il y en a différents. On a celui-ci aussi comme petit vêtement. Du rouge. Hein. Il y a aussi plusieurs couleurs. Vous voyez, c'est un petit pull avec un petit collier, là. On a celui-ci aussi pour les filles, ce petit pull-là qui est pas mal.
pareil, ça remonte les années 70, 80, 90, hein, c'est pas mal non plus. Donc on a aussi ça pour les filles, du jean. Bon, c'est un style de blouson de jean pour en fait plutôt rock, c'est style rock, je vous montre. Voilà, qui est pas mal, hein, bien sûr. Après on a ce petit haut là qui est pas mal, avec le petit bas là attaché, ça fait bien. Je trouve que c'est bien pour les filles, ça fait bien. Pareil, hein, on a différentes couleurs, hein, donc je vous montrerai un petit peu. Pour les filles, il y a ça. Et je vais vous montrer les bas pour les filles maintenant. Le bas pour les filles. Donc pour le bas des filles, on va attendre le chargement. Je vais pas faire une ellipse, on se retrouve tout de suite. On attend un petit peu. Le chargement va se faire. Hein. Montrer un petit peu les bas pour les filles. Il y en a plus que pour les garçons, donc ça sera bien. Je vous montre un petit peu les vêtements et après je vous montrerai les objets, bien sûr, hein, comme on aura fini avec ça. Donc pour les ados, ça va être aussi la même chose, je pense. Donc on attend le chargement, hein, toujours. Hein. On attend un petit peu. Hein. Donc on attend toujours. Donc on attend et oui. Alors on attend le petit chargement. Donc je vais faire quand même une petite ellipse, au moins que ça vienne tout de suite. Je pense que ça va venir, c'est un petit peu long chargement. Oh là, il y a beaucoup d'objets, bien sûr, c'est pour ça que c'est un petit peu long le chargement. Donc ça y est, on y est arrivé. Alors on a ce short là, bleu, qui est pas mal. C'est pareil, hein, on a des couleurs qui sont bien. On a celui-ci comme pantalon pour les filles. Voilà, des pattes d'éléphant des années 70. Je vous montrer un petit peu comment ils sont, hein. On a aussi celui-ci, les jeans déchirés, et oui, dans les années 70 ou 80, je sais plus trop, ça fait bien aussi, hein, c'est pareil. On a des shorts, on a un petit short déchiré, même chose, pareil, hein, pour les filles, c'est pareil. Oui, plusieurs couleurs, qui est bien. Je vous montre un petit peu. Donc maintenant on va passer aux vêtements, aux tenues, donc on se retrouve tout de suite après le chargement. On est de retour et voilà les tenues pour les filles, parce que c'est le chargement, ça met du temps, donc c'est pour ça que je fais des petites coupures entre. Donc vous voyez, il y a aussi ce petit vêtement là qui est pas mal en tenue habillée, hein, c'est tenue quotidienne. Je vous montre un petit peu comment ils sont. On a pareil des couleurs, hein. On a celui-ci qui est pas mal aussi comme tenue, avec la petite veste et le petit pantalon de jean, avec pareil les couleurs différentes. On a un truc pour faire de la gym, ça va être un style pour faire de la gym, je pense. Oui, c'est un truc pour faire de la gym ou du sport, donc je vous montre un petit peu ça. On a cette tenue pour les hippies, enfin bref, dans les années 70, hein, bien sûr, c'était pour les hippies, hein, ces petits vêtements-là, bien sûr. C'est pareil, hein, et des petites couleurs, bien sûr, qui sont pas pareilles. On a cette tenue là aussi qui est pas mal pour les filles en tenue habillée, bien sûr, c'est pas mal, hein. Vous voyez, je vous montre un petit peu comment elles sont. C'est en tenue quotidienne, mais en tenue habillée on va y passer après, bien sûr. J'ai oublié de vous montrer pour les garçons, mais ça va être la même chose, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, je vous montre un petit peu pour les filles. On a celui ci qui date à peu près, ouais, oh, ça doit être des vêtements des années 80 aussi, bien sûr. Vous voyez, c'est bien, hein, je vous montre un petit peu les tenues comme ça. On a ceci aussi qui est bien pour les filles, short avec un petit maillot, un short avec un petit maillot. On dit un shorty, bien sûr, ou on dit un short, je ne sais pas comment on dit, bien sûr, mais ça doit être pareil. On a celui-ci qui est bien aussi pour les Sims. Vous voyez, pour les filles, une belle tenue qui est bien, il y a pareil des couleurs. Pas les mêmes couleurs, bien sûr, je vous montre un petit peu. On a celle-ci aussi comme habillée. Il y a beaucoup de vêtements pour les filles, hein, bien sûr. Pareil, avec des couleurs qui sont pas la même couleur, bien sûr. On a celui-ci pour les filles. Il y a pas mal de vêtements pour les filles. Hein, avec, vous voyez, des couleurs, même chose. Donc, après, on a celui-ci. Alors, ce vêtement-là, ça doit être des années 70. Style hippie. Donc, ça fait comme ça, hein, vous voyez. Je vous montre. Avec ça, hein, ça sera... C'est pas mal leur petit vêtement. On a celui-ci aussi qui est bien. Pareil, je vous ai montré ça tout à l'heure. Voilà, on a ceci qui est bien. Un petit vêtement pour les filles. Avec pareil, les couleurs. Et voilà. Donc, on se retrouve tout de suite après pour les objets.
Alors nous voilà pour les objets, donc je vais vous montrer un petit peu les objets. Alors là on a une petite bibliothèque, une nouvelle bibliothèque, hein, une petite bibliothèque toute simple. Alors je vais me rapprocher un petit peu parce qu'on voit pas grand chose. Je vous montre un petit peu comment elle est, une petite bibliothèque, je vous montre. On a une table basse, une table de salle à manger, grande salle à manger bien sûr. On a ce choco pouf, c'est un pouf, hein, on peut s'asseoir dessus, tout, qui est bien quoi. Je vous montre un petit peu les objets qu'il y a dans ce kit. On a ceci, la crêpe crée une table. Alors toi on peut créer des choses aussi, c'est pareil. On a ça, on a explosion lumineuse, ça va faire des lumières, c'est pour le disco bien sûr, dans les années 70-80. On a une vieille télé des années 70 ou 80, je sais plus, ou plutôt je dirais 80. Ouais, 70, ouais, 80, 70, 80, en plus, en je sais plus. On a celle-ci comme table aussi, une table basse, qui est bien, je vous montre. Une table basse, on va se rapprocher, une table basse, vous voyez, je vous montre. La table basse. On a aussi un bip contre pixel, c'est un jeu vidéo pour les Sims s'ils s'amusent, bien sûr, en vrai, je vous montre. On a aussi une télé avec un meuble. Télé avec meuble encastré, bien sûr. Télé encastré dans un meuble, plutôt, on va dire. Un nouveau meuble IFI. Voilà, stéréophonique. Avec platine tourne-disque, cassette. C'est aussi les années 70, on va dire, en gros. 70-80, bien sûr. On a aussi un extradio cassette. Pareil, ça va être des années 70-80, bien sûr, à peu près. Je vous montre ça. On a une guitare, une nouvelle guitare. Une grunge. Une gringo. On a une nouvelle lumière. Je vous montre une nouvelle lumière. Vous voyez, elle est bien. Une nouvelle lumière qui est bien. C'est pour éclairer la maison. Lumineuse. On a une nouvelle plante avec un jute à plante. Avec ceci, bien sûr. On a un baby foot pour que les Sims s'amusent. On a quoi d'autre? On a tout ça. Je vous ai montré tout ce qu'on a là. Après, je vais vous montrer un peu les tableaux qu'il y a. Des tableaux. Alors, on a celui-ci qui est pas mal, mur de danse, c'est pareil, c'est, ça fait des lumières comme il s'amuse. On a le pin-up glamour, on a ce petit truc ici, totalement aigutit. On a ce petit poster vintage, avec aussi qu'on a dedans ce kit. Et on a toile lapin branché. Voilà, donc tout ça, je vous montre un petit peu tout ça. On a aussi une plante, une globa plante suspendue. On a une boule à facettes, une boule d'éclairage, bien sûr, une boule à facettes, une boule d'éclairage, c'est la même chose pour disco. On continue notre petit périple avec un nouveau arche de fête. On a un poil, un nouveau poil, qui est pas mal aussi, qui est bien. Vous voyez, je vous montre un petit peu. Il est blanc, toutes sortes de couleurs, bien sûr, je vous montre. Voilà, on a plusieurs couleurs, donc vous voyez, c'est un poil, hein, c'est une cheminée suspendue. On a une nouvelle chaise de salle à manger, branchée, bien sûr. On a un nouveau fauteuil. Pareil, un fauteuil usure. Je vous montre un petit peu comment c'est. On a une explosion lumineuse, je vous l'ai déjà montré. On a une nouvelle chaise de bureau. Ancienne chaise de bureau, bien sûr. On a aussi ceci, un choco canapé, qui est pas mal. Je vous montre. On a une cocheuse candinée, c'est pas mal non plus. On a ceci, c'est un fauteuil large et bas, on va dire. Allez, je vous montrer un petit peu tout ça. Et on a une piste de danse. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce petit kit. Le kit Les Sims 3, années 70, 80, 90 kit. Je vous ai présenté les coiffures, les vêtements et les objets. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, mettez petit j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, commentez mes vidéos.
et plein d'autres choses. Et je vous dis bye. C'était The Luis du 10 qui vous a présenté le kit Les Sims années 70, 80, 90. Bye.